Oui. Oui. Salut toi. Alors oui, on y est, ça y est, les vidéos reprennent sur ma chaîne. C'est un petit peu tard, je vous l'accorde, j'arrive un peu après la guerre, mais ça repart. Je pense que vous l'avez remarqué, je suis dans un nouvel endroit parce que j'ai déménagé à Paris. C'est la taille de Paris à peu près, cette distance. Donc je me retrouve dans ce qui va être un nouveau studio, hein, typiquement, mais c'est là aussi que je vis. J'ai acheté ce canapé-lit exprès. Comme vous le voyez, en termes de décoration, on est assez light, étant donné que pour l'instant, c'est plutôt des cartons. Mais si vous avez des idées hein, de ce que je peux mettre au fond, dites-moi, on va installer ça au fur et à mesure. Oui, et alors si tu te demandes, mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir voir sur la chaîne de Vous êtes vraiment sympa cette année? Bah j'y réponds tout de suite, maintenant. Vous êtes vraiment sympa. Merci. Des interviews. Oui, bah ça change pas, je vais toujours faire des interviews. Que ce soit des interviews axées sur une thématique, ou même du 5 questions sur Watt. D'ailleurs, je peux te le dire maintenant, les prochaines interviews, ce sera avec Navo et Roman Frécinet. Les face caméra. Alors cet été, vous m'avez posé beaucoup de questions par message privé et par mail sur des choses de la vie. En général, des choses qui vous arrivaient, vous vouliez avoir des réponses. Donc j'ai décidé de faire un nouveau format qui va être en face cam. Donc c'est pour ça que je vous présente aussi ce studio-là, parce que vous allez le revoir. Où je vais répondre à des questions. Alors ça arrive très vite, et pour le premier épisode, on va parler du bonheur. On commence petit. Et vu que je me base sur vos questions, n'hésitez pas à m'en envoyer sur Facebook, sur Instagram, ou par mail, ou lâche un com. Troisième format qui va arriver sur cette chaîne. À moitié plein. Alors ça, c'est le plus gros projet que j'ai entamé sur ma chaîne, et donc ce sera ni un face cam, ni des interviews, ce sera un projet fictionné. Alors quand je dis fictionné, c'est-à-dire que ça va plus se rapprocher de la fiction, étant donné que je joue un personnage qui est un mec un petit peu excité, qui passe sa vie dans un bar, et qui raconte des tas de choses qui nous aident à mieux vivre avec nous-mêmes, et à mieux vivre avec les autres. Et je suis très content parce qu'il y a plein de gens hyper talentueux qui ont accepté de participer à ce projet. Je vous donne deux noms comme ça, Audrey Pierrot, Eleanor Coste, je vous garde la surprise pour le reste. Et je vous mets un petit extrait maintenant. C'était court, absolument, mais on n'a pas fini le montage. Ça arrive début novembre, on a tourné 3 épisodes. Si ça vous plaît, on essaiera de trouver des financements pour faire une saison entière. On a le temps d'en reparler, on est bien là. Il y a d'autres choses qui arrivent avant. Relax. Voilà, ça c'est les projets qui vont arriver sur les prochaines semaines. Je vous garde évidemment quelques surprises. Bref, tu l'auras compris, on va passer une année de folie ensemble. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. De vidéos sur la plateforme YouTube et peut-être même dans le réel. Allez, salut!